amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Qu'est-ce en fait, consacré à la découverte du métro et de ses lignes. Du haut de son siècle d'existence et de ses 350 départs quotidiens de chaque terminus en moyenne, le métro et ses infrastructures sont fortement sollicités. Ainsi, sur la ligne 8 actuellement, nous procédons au renouvellement non pas d'un, mais de deux aiguillages de part et d'autre de République. Aujourd'hui dans cette vidéo, je te propose de te faire découvrir et de t'expliquer comment une telle prouesse technique est possible sans une quelconque interruption du trafic. T'es prêt? Allez, c'est parti! Alors, tu l'as vu? Et si plutôt je t'expliquais tout en détail? Allez, c'est parti! Pour ce retour en image, on se retrouve sur la voie 1 en direction de Créteil-Pont-du-Lac. Les appareils de voie sont des éléments essentiels au domaine ferroviaire. Mais d'autant plus au cœur du métro de Paris, puisqu'ils permettent au train non seulement de changer de voie, de direction, mais aussi de protéger les voies principales sur lesquelles les trains commerciaux circulent. Le savais-tu? Située entre les 3e et 10e arrondissements de Paris, la station fantôme Saint-Martin, en commun avec la ligne 9, est la plus grande station abandonnée du réseau du métro de Paris. Fermée à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, le 2 septembre 1939, en raison de sa trop grande proximité avec sa voisine, Strasbourg-Saint-Denis. Tous les éléments d'un appareil de voie sont soumis à de très fortes contraintes. Je te montre tout ça en image. Je te propose cette illustration des chemins de fer luxembourgeois plutôt réussis à mon goût. Nous avons ici en numéro 1 les lames d'aiguille. Nous avons ici en numéro 2 le rail fixe qu'on appelle contre-aiguille. Nous avons ici en numéro 3 une tige que l'on appelle tringle d'écartement qui, comme son nom l'indique, permet aux aiguilles de garder le même écartement mais aussi de translater. Enfin, en numéro 4, nous avons l'appareil de commande électrique de l'appareil de voie. Enfin, en numéro 5, nous avons ce que l'on appelle le cœur de l'appareil de voie et en numéro 6, les contre-rails qui servent tout simplement à rigidifier le tout.
pour que le train se dirige vers la direction du cœur de l'appareil de voie, grâce à la triangle d'écartement et à son moteur de commande, l'aiguille est au collage à droite. Ainsi, on dit que l'appareil de voie est en position gauche. Ainsi, pour que le train puisse se diriger vers la voie déviée, on dit que l'aiguille est au collage à gauche et donc que l'appareil est en position droite. La sécurité est la priorité du groupe. Ainsi, tout un ensemble de procédures et de signalisations sont mises en place, telles qu'une limitation temporaire de vitesse grâce à un tableau indicateur clignotant appelé TIV à distance. En plus d'apporter au conducteur l'information de ralentir, ce dernier apportera aussi l'information de la limite temporaire de vitesse à respecter impérativement. Ainsi, nous franchirons ici le tableau d'indicateur de vitesse d'exécution à la vitesse de 15 km/h jusqu'au point d'arrêt normal en station. Le chantier de renouvellement et de modernisation des aiguilles des appareils de voie englobe littéralement la station République. De ce fait, un rappel est établi au départ de la station. Comme tu peux le constater devant nous, l'une des aiguilles de l'appareil de voie a littéralement été supprimée et la voie centrale secondaire condamnée. Remarque, vaudrait mieux quand même. Ainsi, pendant le franchissement de toute la longueur du train de la zone de chantier, la vitesse est limitée à 15 km/h jusqu'au tableau indicateur de vitesse de reprise de la marche que l'on appelle tableau blanc. Eh bien, tu l'auras compris, le confort mais surtout la sécurité sont les atouts majeurs des procédures qui régissent nos métiers. Maintenant que tu as découvert en quoi consistaient les appareils de voie du métro, j'espère que tu en auras appris un peu plus sur le monde du réseau métropolitain de Paris. Comme toujours, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à nous laisser un petit pouce bleu, ce qui nous aide énormément quant au référencement de notre vidéo, et même pourquoi pas à t'abonner, sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien rater de toutes nos nouveautés. Il ne nous reste plus qu'à te dire à très vite pour un tout nouvel épisode Kesako, à la découverte du monde passionnant des transports. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao !